Bonjour à tous, c'est Shadow Bros et bienvenue dans cette vidéo de Paper Mario. Et aujourd'hui on se retrouve sur l'île La Lave et du coup on va continuer notre petite aventure. Déjà en voyant que Koopa Colorado n'a pas été super loin, il se fait déjà frapper. Vas-y, un masse-lance. C'est un masse-lance. Ils sont parents des mascas, ils vivent dans la jungle. PC Max 7, il dit distance 3, défense 0. Tu te blesseras en l'attaquant avec le marteau s'il pointe sa lance vers toi. Tu te blesseras aussi en essayant de sauter sur si la lance est pointée vers le haut. Fais attention à la position de la lance avant d'attaquer. Ah, j'ai oublié, des fois ils appellent des renforts après avoir lancé leur lance. Ce sont des mascas ordinaires. J'ai raté. L'autre, je peux pas l'attaquer, donc je vais plutôt me booster. Et j'arrive pas à faire mon... Non, mais je fais n'importe quoi. Ça m'a pas touché alors que... Bizarre. Bah bref, c'est bizarre actuellement. Il devait me toucher normalement. Tu m'as sauvé une fois de plus. Tu es le meilleur Mario. Bon, je crois que le volcan, notre destination, n'est plus loin. Dépêchons-nous tant que nous sommes frais et dispo. Ah Mario, regarde un peu ça. On dirait l'entrée du volcan, hein, mon vieux. Je suis sûr que les trésors que je cherche se trouvent dans le volcan. Ah, tous les secrets d'une civilisation déchue. Et pourtant, je n'en trouve pas l'entrée. Ennuyeux, non. Mais je n'abandonnerai pas. Un bon explorateur ne s'arrête jamais de réunir des informations. Retournons au village pour chercher des indices. On doit pouvoir rentrer dedans, il le faut. Quoi encore? Je pensais que je me faisais attaquer à nouveau, la bonne blague. Et ces explorateurs sont de sacrés rigolos, tu sais. De toute façon, il vaut mieux y aller, hein. Ah, il y a une différente musique, là. Et toi, t'es le chef du village, hein. Oh, quelle misère, les enfants ont disparu. Je crois qu'ils ont quitté le village en secret pour la jungle. Ils ne connaissent pas ces dangers. Nous devons les retrouver au plus vite. Mario, pourrais-tu les retrouver? Comme tu le vois, les Yoshi paniquent. Ils ne peuvent pas penser correctement dans cet état. Je vais essayer de les calmer. Toi, trouve les enfants. On dirait plutôt que tu es en train de paniquer toi aussi, hein. Mais bon. Oh, c'est un ennemi. C'est une plante bobo. Les plantes bobo se disent plante cadeau. Elles te donnent un cœur si tu les touches. PC Max 8, puissance 2, défense 0. Si elles te touchent, tu seras empoisonné. Tes PC diminueront de tour en tour. Il vaut mieux s'en débarrasser au plus vite, monsieur jardinier. Même si tu ne peux pas régénérer tes PC, tu peux être bien vite dans la mise. Ouais, bah, on fait comme on peut. D'accord. Je dis d'accord, mais je rate quand même. Hein. J'ai l'impression que c'est de plus en plus chaud de faire une esquive.
C'est bon. Faut vraiment le faire au moment où la bouche est sur moi, en fait. Si on peut dire ça. J'ai déjà perdu la moitié de mes PC, sérieusement. Génial. Je suppose que toi aussi t'es un ennemi? Non. Tu me donnes vraiment un cœur, toi. Mais en tout cas, t'es un ennemi. Vous savez quoi, de toute façon, vous avez l'air d'avoir plein de PC, donc hop, voilà. C'est un monsieur puissant, tu as vu la coupe de cheveux, ça pousse avec la pluie. PC max 8, puissance 3, défense 0. Ces dents sont parfois empoisonnées, sois prudent. Si t'es empoisonné, tes PC s'évaporeront. Ta situation peut devenir critique si tu ne restaures pas tes PC rapidement. Rase-moi tout ça, ok? Lance ton attaque la plus puissante. Il me faut quand même du 1 de dégâts, ils font du 3 de dégâts, donc normal. Après, je gagne pas beaucoup de points étoiles, mais bon. Ça me fera toujours ça de prix. Voilà. Là, j'ai déjà perdu 15 PC, sérieusement. Oh, du coup, il y a 5 Yoshi à trouver, hein. Revenez ici tout de suite, bande de petits ingrats. Hé, hey, toi là-bas, regarde-moi si tu m'entends. C'est si on va rassurer, je suis bloqué dans l'arbre, tu peux m'aider? Allez, essaye encore une fois. Voilà. Oh fiu, je suis sauvé. Pas mal, j'ai mal parfois. Partout, pardon. Merci de m'avoir sorti de là, ça devrait aller maintenant. Oh. Oh, ces petits, je pourchassais les mini-Yoshi, je suis tombé dans leur piège. Ils ne savent pas à quel point la jungle est meurtrière. Je dois les retrouver avant qu'il soit trop tard. Et toi, tu ferais bien de retourner au village, c'est bien dangereux ici. Mais pourquoi es-tu venu dans la jungle, au fait? Ah ah, toi aussi tu cherches ces petits crapules? Bien, alors recherchons-les ensemble. Ils ne connaissent pas les dangers de la jungle et il faut les retrouver au plus vite. Oh, quelle sorte. Je t'ai même pas demandé ton nom. Comment tu t'appelles? Ayo, hein? Jamais entendu ce nom auparavant. Tu dois venir de loin. Comment trouves-tu l'île Lave-Lave? Mais retrouvons les environs d'abord. Et voilà, on a un nouveau partenaire. Sushi rejoint le groupe. Appuyez sur ses bas, sur les plateformes au bord de l'eau pour le chevaucher. Si vous appuyez à nouveau sur ses bas, elle plongera pendant quelques instants. En combat, elle peut faire un coup de vent trop lancé ou lancer un jet d'eau pour qui éteindra le feu le plus brûlant. C'est intéressant tout ça. Ok, je vois que là-bas, il y a un autre un truc. Déjà là, il y a ce petit truc-là, qui est normalement un éclat d'étoile. Voilà, un morceau d'étoile. Et une lettre aussi. Et je vois que là-bas, il y a aussi une graine miracle, du coup, qu'on va y chercher. Bonjour, toi. Bonjour, quoi de neuf? Merci de m'avoir réveillé. Cette île est bien jolie, hein? C'est l'endroit idéal pour pousser ici. Je suis un bulbule. Je voudrais remplir ce monde de belles fleurs.
je voudrais que tu aies cette graine, ou plutôt, c'est ce que je voudrais te dire. Mais la graine n'est pas encore prête, malheureusement. Ne t'inquiète pas, elle devrait être prête bientôt. Attendre ici bien le chaud. On vient la prendre plus tard. Qu'est-ce que je suis généreuse quand même. Bon, on reviendra plus tard alors. De toute façon, je sais quand il faut revenir, donc vous inquiétez pas. Mais il faut lui parler quand même, ça peut être intéressant. Voilà. Donc, on repart ici. Et cette fois-ci, ben, on va à gauche. J'entends un Yoshi ronfler là, ou qui est en train de dormir. Ce serait bien quand même d'aller me soigner, je pense. Parce que j'ai perdu pas mal de PC là. Allez, hop, c'est parti. Allez, hop, on va se sauvegarder, tant qu'à faire, hop. Voilà. Maintenant, allons chercher les Yoshi. Voilà, nickel. Super. En plus, je peux même pas le sauter dessus parce qu'il y a sa lance au-dessus, donc il se barre. Sérieusement. D'accord. Nickel, tout ça. Mais il m'a fait mal avec sa lance là. Super séisme. Intéressant tout ça. Bon. Il est où le Yoshi qui dort là? Pas de ponton, pas de ponton. Là il y a un tronc. Ok, il n'y a pas de ponton, donc on va devoir revenir par autre part. Ah, je vois quelque chose d'intéressant là. Bah allons-y. Ça, lui, il est mort, voilà. Masse, j'ai raté, je crois. Ton truc qui est en l'air, donc je peux pas. Voilà, c'est bien. Bon, là je peux sauter dessus. Voilà. C'est un ennemi! Je pensais qu'il m'aurait donné un cœur!
Le méchant. Mais Sushi, il fait pas assez mal là. Pardon. Si j'arrive encore à rater. Hein. Voilà. Bon, bref, actuellement, du coup, à chaque fois qu'il me meurt, il peut m'empoisonner, hein, donc ça sert à rien. Bien sûr, Sushi, parce qu'on n'aime pas Parakari. Sushi passe au rang super, yes. Donc là, c'est bon. Je me disais bien que ça, a l'air d'aller, ça avait l'air d'être un ennemi, ça. Vas-y, fais un coup de ventre. Normalement, tu devrais faire plus de dégâts. Voilà, nickel. Voilà. Eh ben ce monstre m'a donné plein de trucs. Y'a rien, y'a rien. Ah si, y'a une pièce. Là y'a rien, là y'a rien. Là, il a l'air d'avoir deux ennemis. Vas-y, c'est froid. Voilà. Nickel. Il reste plus qu'un comme ça. En tout cas, on gagne pas beaucoup de points étoiles hein, là-dedans. Toi aussi, t'es un ennemi? D'accord, génial. On sait jamais. Et en même temps, ça permettra de monter d'un niveau. Et j'ai pas pris de bon ennemi. Génial. Voilà. Je suis à peine à la moitié, sérieusement. Rien. Je vais voir d'abord là-dedans.
Voilà. Yeah! Toi, tu meurs. Oh! J'ai raté. Ah non, pas eux. J'avais oublié à quel point ils étaient chiants. Si je continue comme ça, clairement, je suis mort. Mais sérieusement, il y a toujours autant d'ennemis, hein. Vas-y, aide-moi, toi. Et voilà, j'ai triché. Bon, il y a ce qu'il y a là-dedans. Il y avait cette fleur qui tournait, je l'ai trouvée si marrante que je me suis monté dessus. Elle s'est mise à tourner si vite que je me suis mise à voler et j'ai atterri ici. Je ne sais pas comment je suis arrivé ici, il fait si noir, je n'ai pas pu trouver la sortie. Merci d'être venu me chercher. Maintenant que je vois la sortie, je rentre directement à la maison. Attends. Peut-être que je peux faire exploser ça avec les bombinettes. Pas marché. Bon bah tant pis. Sushi, allons voir autre part du coup. On a trouvé un Yoshi sur les 4. Sur les 5, pardon, il y en a 5. Puis les ennemis sont déjà réapparus, hein, sérieusement. Bon, lui, il est mort normalement. Je vois pas à quel point je peux spammer aussi vite parce que pour pas perdre de vie. Oh là là, il me reste 9. Non, c'est bon. J'ai
Toi, t'es un ennemi, hein. C'est exact. Bon. Faut pas que je rate, parce que là... Ils sont méchants, eux, ils m'empoisonnent. Voilà. J'ai pas trouvé de bloc de sauvegarde d'ailleurs parce que là c'est bientôt la fin. Ce serait bien d'en trouver un. Quelqu'un qui dort. Voilà. Toi, t'es mort. Non, ça veut pas commencer. Voilà. Je vais vraiment le plus vite possible, hein, mais j'y arrive pas. Hein. Bon, c'est pas grave. Oh, bonjour. Bayo, que se passe-t-il? Tu me cherchais? Oh, toi aussi, Sushi? Nous jouions en cache-cache et je me suis endormi. Je fais la sieste ici même. Pas de quoi vous inquiéter, la jungle n'est pas si dangereuse. Je vais commencer à m'ennuyer, alors je crois que je vais rentrer à la maison un peu tard. Voilà, comme ça, on va pouvoir aller sauvegarder. Et s'arrêter justement là. Bon, du coup, je vous remercie de regarder cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour la prochaine. Du coup, salut et bye bye!